Et ce matin, on ne sait pas vraiment s'il faut se réjouir et s'il faut rester prudent avec l'épidémie de Covid. On en est encore à 250 000 nouveaux cas en une seule journée. Mais le nombre de contaminations quand même est en baisse de 17% sur une semaine. Et le pic a sûrement été atteint, c'est ce que nous dit ce matin le virologue Bruno Lina du Conseil scientifique. Ce virus risque d'avoir une période de décroissance en termes de dangerosité, de forme grave, tout simplement parce qu'on est maintenant pratiquement tous immunisés, soit par une infection, soit par des vaccinations. Si on a une évolution vers moins de dangerosité du virus, c'est qu'à un moment donné, et Omicron est probablement le meilleur candidat pour ça, le virus qui va être responsable de la suite de l'épidémie va être un descendant du virus Omicron. Ce ne sera plus un descendant du virus initial, mais un descendant d'un virus qui aura déjà évolué et évolué vers moins de dangerosité.